Quelles sont les chaussures de la saison? Les chaussures, c'est un budget, donc il ne faut pas se tromper. Il me semble que cette saison, mis à part les classiques que vous gardez dans votre armoire, une paire de ballerines et des escarpins, il me semble que cette saison, ce sont les Richelieu et les mocassins qui sont les plus en vogue et les plus saillants, avec beaucoup beaucoup de tenues aujourd'hui, car on les trouve avec des semelles compensées, on les trouve travaillées. Par exemple, un mocassin ou un Richelieu, c'est-à-dire les Richelieu qui se nouent avec un bout fleuri ou pas, mocassin avec juste les todes, la languette qui remonte sur le coup de pied. Avec ces chaussures, vous pouvez être sophistiqué ou sport. Par exemple, disais-je, vous avez des mocassins et des Richelieu qui sont bicolores. Ou mieux encore, quelque chose qui fait toujours très chic, c'est le vernis. Et il y a des vernis de toutes les couleurs. Donc ça vaut vraiment la peine de faire l'investissement dans les mocassins ou les Richelieu. Il y a une autre paire de chaussures qui est pas mal aussi, par exemple pour le soir, à porter à talons, pourquoi pas. Ce sont les babies, c'est-à-dire avec juste la bride, le bout ovale, ou ce qu'on appelle les salomés, avec un dessin sur le coup de pied, mais bout ovale également, et qui peuvent se porter avec des talons diversément élevés. Repetto en a fait en premier, mais maintenant toutes les marques en font et c'est toujours facile à porter car elles emboîtent bien le pied, on les perd pas. Et d'ailleurs, à ce propos, je déconseille vivement les mules, même si Prada continue d'en faire beaucoup, Gucci maintenant fait des mules mocassins avec de la fourrure autour de la semelle, c'est juste atroce. Alors, il ne faut pas s'obséder avec l'idée de décaler une tenue. C'est marrant de décaler un peu une tenue, porter une veste Chanel avec un jean, c'est décalé, d'accord? Mais de porter des mocassins ou d'autres chaussures, des chaussures qui doivent être fermées, les porter en mule, un mocassin en mule, en plus avec de la fourrure autour, c'est juste grotesque. Donc, n'investissez pas là-dedans, regardez, rigolez en regardant les pages dans les magazines, mais non, c'est pas pour porter.